Vous les avez sûrement déjà croisés sur nos routes, ces fameux cars jaunes qui assurent les liaisons interurbaines. Mais beaucoup plus rares, il se peut que vous trouviez au volant de ces autobus non pas un conducteur, mais une conductrice. Rosemée est la seule femme de son entreprise à exercer ce métier. Rencontre. Bon, ben, je vais prendre mon service avec mon collègue. Donc, ben, directement à la gare routière pour commencer la journée, quoi. Direction Saint-Jean. Voilà. Ok, c'est parti. Pour avoir quoi, comme un bon contact avec les gens, avoir le sourire, être patient. Ça demande beaucoup de trucs, quoi. Et vous aimez pour le contact avec les gens? Oui, oui, ça ne me dérange pas. Donc, comme j'aime aussi être sur la route, donc voilà quoi. Et vous voyez faire un autre métier? Non. Honnêtement, non. Si c'est pour arrêter directement, mais je pense que le chômage m'y assiste, quoi. Ah, voilà. C'est ça ou rien d'autre? Ouais. Ouais. Voilà quoi. C'est quoi? C'est presque une passion finalement? Oui, ça devient une passion à la longue. Donc, mais sinon ça, il faut aimer. C'est pas dès le départ, ils viennent avoir le PMI en disant oui, on est là le PMI. Non, c'est pas que ça. Il faut aimer rouler, il faut aimer avoir le contact avec les personnes. Donc ben voilà. À 37 ans, Rosemée conduit depuis plus de 6 ans ses autocars. Aujourd'hui, c'est au volant de ce car jaune long de 13 mètres que ce petit bout de femme va assurer la liaison avec le sud de l'île. Il n'y a pas de distinction, nous, ici, chez nous, dans le milieu du transport, il n'y a pas de distinction homme-femme. Donc, elle a le même planning, elle fait les mêmes services. Elle a les mêmes problématiques que peuvent avoir les hommes dans ce métier-là, les mêmes contraintes, mais elle les assume comme si c'était un homme. Donc, et c'est remarquable pour une femme d'aujourd'hui d'exercer ce métier-là. Elle est pareille que nous, pareil, pas de souci. Ouais, elle conduit pareil, donc elle est comme une voiture. Madame et monsieur, ben, plus pareil, conduit presque pareil. Hein. Donc, sécurité avant tout, de toute façon. De toute façon, les formations, il dit pour nous, il dit pour la dame, il dit pour toutes, de toute façon. Hein. Les formations, c'est pour les mix, c'est pour toutes. Donc, pas de souci. Rosemée est la seule femme parmi les 43 conducteurs de la société pour laquelle elle travaille. Mais pas de jugement, cette conductrice a pris ici toute sa place. Super bien, franchement. Du moment où on a longtemps, le respect avant tout. Donc, mes collègues y aident beaucoup quand un petit truc qui va pas et voilà quoi. Moi, je pousse à les personnes qui sont d'ailleurs dans mon entreprise, surtout au niveau des femmes, que comme je suis la seule, essaye de revenir vers Carjon quoi, parce que je suis la seule. Donc voilà.